Ah là là. Ah. Yo la team. Salut Wingshun. Salut Anargo. Salut Tmar. Salut Hilo. Salut Mick. Salut Squall. Et dis donc, t'en fais du monde. Ça en fait du monde. Merci. Merci les amis d'être là. On va découvrir. J'attends ce moment depuis ce matin. En fait, ce matin, j'étais en live de 9h à 11h. Et j'attendais pour aller découvrir Palworld avec vous. Et à la place, on a fait quoi? On a regardé un documentaire sur les insectes. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, on va découvrir Palworld. Je sais pas trop quoi en penser avant toute chose, puisque c'est Pokémon avec des flingues, quoi. Alors, j'ai jamais trop accroché à Pokémon après... Allez, bleu... J'ai fait bleu-rouge-jaune, après j'ai fait silver-gold, et je crois que j'ai fait une fois un Pokémon en pseudo 3D sur DS. J'avais pas aimé. J'avais pas aimé. C'est mon côté, tu sais, un peu à l'ancienne, en mode « c'était mieux avant, nanana, de mon temps, il n'y avait pas 850 Pokémon et tout. » Je sais pas combien il y en a en vrai. Moi, je me suis arrêté à la Gen 2. Donc, on va voir ce que ça donne avec Palworld. Il y a un Paldex qui n'est pas aussi développé que Pokémon, ce qui rend les choses accessibles pour les anciens comme moi. Je rappelle, j'ai 35 ans quand même. On a dépassé les 1000 Pokémon avec la 9e génération. Les 1000 ! Mais comment c'est possible ? Comment on peut tous les retenir ? Ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Non, quel jeu Pokémon j'ai apprécié ? J'ai apprécié Pokémon Stadium sur la N64 à l'époque. J'ai apprécié Pokémon Snap. Pareil, sur la N64 aussi, dans mes souvenirs. J'ai apprécié les jeux dérivés de Pokémon comme Pokémon Pinball. Pokémon Pinball sur Game Boy à l'époque. Pokémon Pinball, c'était marrant parce que la cartouche, tu pouvais mettre une pile LR6 dans la cartouche et en fait, il y avait un vibreur intégré comme sur un vrai flipper en fait. Et donc, ça te donnait les sensations d'un vrai flipper dans ta Game Boy, tu vois. C'était trop stylé. Quoi d'autre ? Pokémon card game sur Game Boy aussi. Le card game Pokémon sur Game Boy, il était super cool. J'avais fait un deck Ponyta. C'était quoi? C'était Ponyta Topicker. Et je déglinguais tout le jeu avec ce deck-là. C'est complètement fumax. Salut Psycho. Enfin bref. Assez parlé. Je ne tiens plus. On part dans Palworld. Stop la musique. Capture d'écran. Boum. Voilà. Palworld Early Access Launch. Ça y est. Lancé. Alors, je suis sur la version... Steam. Donc, je peux techniquement host un serveur de 32 joueurs sur ma machine. Je peux faire ça. Si vous avez la version Game Pass PC, vous pouvez pas faire ça. Les versions Steam sont crossplay entre les versions Steam. Les versions Game Pass sont crossplay entre les versions Game Pass. Les versions Steam peuvent héberger jusqu'à 32 joueurs ou jouer à un co-op simple en 4 joueurs. Et les versions Game Pass peuvent faire juste le co-op simple à 4 joueurs. Sachant que... les développeurs, c'est-à-dire Pocket Pair, ont dit que leur priorité, c'était d'amener la possibilité de rejoindre des serveurs officiels et de faire ses propres serveurs sur le Game Pass, Xbox, hein, j'entends, et de permettre aux gens de crossplay entre les versions Game Pass et les versions PC. Voilà où on en est aujourd'hui. Salut Echo. Bah ouais, on va... Enfin, écoutez, je sais pas combien de temps ça va tenir... Combien de temps il va falloir à Nintendo pour leur lâcher le plus gros procès de l'histoire du jeu vidéo? Parce que, désolé, mais c'est des Pokémon, mais avec une autre couleur. Genre ça, là, lui, là, c'est pas Lucario, ça? Même moi qui connais pas Pokémon, je vois Pokémon. Ils vont se prendre un procès. Je déconne même pas. C'est sûr et certain. Anyway.
Commencer une partie. Ah. On va créer un nouveau monde, hein. Palpagos Iceland. Donc comment on va l'appeler, notre monde? On va l'appeler... Velvetos Iceland. Ouais, ouais, y a pas plus cliché. Je vais l'appeler Amazon Prime. L'appeler Amazon Prime. Oh non, j'aurais dû l'appeler Prime Gaming. Parce que ça s'appelle Prime Gaming sur... Allez hop. Velvety, j'aime pas parce que ça sonne comme Velvety et ça fait Vessie. Et tu vois, j'aime pas. Multijoueur. Je peux mettre on, ça met quoi? Le code d'invitation de ce monde pourra être retrouvé dans les options une fois la partie lancée. Les performances de l'hébergeur peuvent se dégrader en fonction du nombre d'invités. Un ordinateur plus puissant rendrait ainsi l'expérience plus agréable pour l'hébergeur. Moi, je joue solo. Je pense qu'on peut modifier après. Difficulté, facile. Expérience reçue, chance de capture, vitesse de collecte des matériaux, vitesse d'éclosion des œufs élevée, combat facilité, aucune pénalité en cas de mort. Et en normal, ça fait quoi? Équipement et matériaux laissés sur place en cas de mort. Je vais jamais jouer en normal. J'ai 35 ans. Difficile. Donc tout est réduit, dégâts subis augmentés, tous les objets et pales laissés sur place en cas de mort. Ouah, même tes pales, ils sont laissés sur place. Bon, je vais mettre en facile. Bah, confirmé. Je vais mettre en facile, on est là pour s'amuser. On est là pour rigoler. Le personnage ne pourra plus être modifié une fois la partie lancée. Ok. Bah, il me paraît bien ce perso en fait. Il me paraît bien. Corps type 1, type 2. Taille du ventre, taille des bras, taille des jambes. Non mais il est très bien là. Il est très bien. Peut-être un peu moins rose. Voilà. Visage. Est-ce qu'il y a moyen de la faire ressembler à autre chose qu'une Bratz? C'est mieux, ça fait plus adulte déjà. Les yeux. Il n'y a pas de Sharingan. Mais presque. Il y a des quasi-Sharingan. Ok. Cheveux. Ah, j'adore les sélecteurs de coupe de cheveux, bro. J'adore ça. C'est un petit peu ma cam dans les jeux. Les coupes sont cool. Les coupes sont stylées. Enfin, cette coupe est stylée en tout cas. Alors... Ah, j'aime pas les couettes. Oh, elle est cool celle-là. Oh, ça, j'aime bien ça. E-girl power, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai toujours fait des personnages féminins dans les jeux, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Oh, j'aime bien les carrés plongeants aussi, comme ça, là, c'est joli. Ça, je l'ai vu avant. Ça fait bizarre. Ça fait un peu trop code Lyoko. Avec la petite mèche en haut. J'aime bien. La semi-sidecut qui n'est pas une sidecut, mais une mèche derrière les oreilles. Ouais, bah en fait, celle-là, elle est trop cool. Celle-là, elle est cool. Mais c'est, je sais pas, c'est juste les trucs en mode favori gaulois, j'aime pas trop. Merde, c'est dommage qu'on ait pas juste une... On va partir là-dessus, je pense. Hein. Ou là-dessus. Ouais, on va partir là-dessus. J'aime bien le petit carré long asymétrique, celui-là, là. Celui-là, il est cool, ouais. C'est vrai que celui-là, il est cool. Ah, c'est bon, je suis convaincu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là. Oh là, mais c'est pas la même couleur, ça. Là, c'est déjà un peu mieux. Wouah. Wouah, c'est joli comme ça, bon. Oh. Un petit gris comme ça, là. J'aime bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la couleur des sourcils? Parce que du coup... Ah, c'est là. Voilà. Bah, sinon, ça colle pas, en fait. Sinon, ça fait bizarre.
Il y a pas beaucoup de choix de coupe. Ouais, c'est vrai, j'aurais apprécié un peu plus de choix. J'aurais apprécié un petit peu plus de choix. Mais bon. Je vais prendre la voix par défaut. C'est parti. Sur ma partie de tête, j'ai fait les mêmes cheveux plus couleur. Je suis pas du tout étonné. On se réveille sur une plage mystérieuse. Entouré de pals. Qui ne sont donc, je le répète, pas des Pokémon. Ceci n'est pas une tablette Pokémon non plus. C'est pas... Voilà. Non, ce n'est pas le début de Pokémon Arceus. Ceci n'était pas... voilà. Oh, des barres. Ils vont se prendre un procès si fort. Les performances du jeu ont l'air décentes. Je regarde un petit peu les performances sur mon stream en même temps que je tourne la caméra. Ça me permet de voir si c'est solide ou pas. Ouais, c'est solide, j'ai pas de perte d'image. Alors, ce n'est pas Breath of the Wild non plus, by the way. Pour information, quand vous lancez le jeu pour la première fois, vous êtes en WASD par défaut. Alors, tutoriel, les bois de charpente s'obtiennent en ramassant les branches ou en secouant les arbres. Ouvre le menu option avec échappe, consulte le guide de survie, appuie sur la touche B pour obtenir le menu construction, B comme build. Sélectionne établi de fortune, puis choisis un emplacement sur lequel le construire. J'ai appuyé sur B. Je crois que le jeu, il a planté. Premier degré, ça a planté. Ça a planté, je crois. Oh. Palworld. The process has crashed. Merde. Le jeu a planté. Attendez, je vous montre. Je vous montre. Alors, je sais pas ce que ça a fait chez vous, de votre côté. Mais chez moi, ça a planté. J'espère que le stream, il est toujours en live. Ça a l'air bon. Le sound design me détruit, c'est tellement Zelda, mais t'inquiète, c'est pas Zelda. Non, mais c'est pareil pour les Pokémon, enfin, je veux dire, pour les pales. MDR, j'arrive au bon moment. Ouais, de fou, salut Nodus. Le stream a freeze chez moi pendant un instant. Ouais, c'est normal, il y a toute ma machine qui a crash. We are sorry, this crash has occurred. Alors du coup, moi, je regarde un peu le détail. Direct D3, D11. C'est DirectX 11 qui a planté. Nanana, source. Engine source. Bah, send and restart, hein. Send and restart, hein, de toute façon. Hein. Palworld, ils ont pompé sur plein de jeux. Pas de fou, hein, en vrai. Attends, je relance la capture. Voilà. Faut savoir que le jeu, il est lancé en deux fois chez moi, du coup. Je vais devoir en killer un. Il s'est pas relancé, en fait. Il a lancé une deuxième version. Hop là. C'était pas celui-là, du coup. C'était celui-là, voilà. Je les ai kill. Je les ai tués manuellement. J'ai tué mes pals. Et je relance le jeu maintenant. Gros freeze vidéo, mais pas audio. Ah, vous continuez à m'entendre. Vous continuez à m'entendre quand ça avait freeze, ok. Palworld, mise à jour en attente. Ah, je pense. Alors, je m'avance pas, hein. Mais je pense qu'ils sont au courant. Regardez. Je pense qu'ils sont au courant parce qu'il y a directement une mise à jour. C'est parti. Ça fait de la mise à jour. Je pense qu'ils sont au courant pour les crashs, puisqu'il y a une mise à jour en live, donc voilà. Même la typo du jeu, j'ai l'impression de l'avoir vu sur un autre jeu. Mec, la typo du jeu, elle me rappelle un mix entre Palia et Breath of the Wild, ouais. Tu joues sur Steam ? Ouais, je joue sur Steam.
Parce que sur Steam, la version a l'air plus complète, en fait, tout simplement. Elle a l'air plus aboutie que celle du Game Pass. Mais enfin, pour ça, faudrait quand même qu'elle se lance. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais baisser d'un cran les textures. Je vais baisser d'un cran... Ouais, je vais tout mettre en élevé. Je vais tout mettre en élevé. Et je suis en DLSS auto en plus, donc normalement ça devrait le faire, tu vois. Commencer une partie. On retourne sur notre monde. Prime Gaming, pour info, je suis pas sponsor. Je ne suis pas sponsorisé. J'ai payé mon jeu 26€. Le patch day one. Bah ouais, ouais, c'est ça. Alors, le bug s'est produit quand j'ai appuyé sur la touche B pour build. Et bien là, ça a fonctionné. Établi de fortune, il me faut deux boîtes charpentes. Très bien. Je peux mettre des petits coups de poing. Donc je vais essayer d'abattre un arbre à coups de poing. À moins que je puisse ramasser directement le bois là. Non. Ah. Boîte charpente. J'ai mes deux boîtes de charpente. J'ai gagné un niveau. J'ai gagné un niveau en ramassant mes deux branches. Impeccable. Alors, bah écoute, mon établi, je vais le mettre là. Voilà, construire. Super. Tu pètes déjà le Game Pass? Ouais, mais je l'ai pas pris sur Game Pass, je l'ai pris sur Steam, Thomas. Sur le Game Pass, il est gratuit. Il est pas gratuit, il est inclus dans votre abonnement. La raison pour laquelle j'ai pris la version Steam, c'est... Putain, mais je suis gigantesque, en fait. Pardon. Hop là. Je vais me mettre en plus petit. Voilà. La raison pour laquelle j'ai pris la version Steam, c'est parce que on peut faire des serveurs de 32 personnes sur Steam. C'est un problème, c'est pas cross-platform entre Game Pass et Steam, absolument. Palia, c'est bien. Palia, j'ai bien aimé, mais c'était assez vite répétitif. Vous inquiétez pas, le crossplay arrive et les options qui manquent sur la version Game Pass arrivent aussi. Donc voilà, c'est juste une question de temps. Moi, j'ai préféré prendre cette version pour le live, tout simplement, parce que si jamais on est amené à faire un serveur, je veux qu'on puisse le faire assez tôt. Tu vois? Et c'est un truc que je pourrais pas faire sur Game Pass PC, du coup. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un qui ne sent pas le pal. Ah, parce qu'en plus, il schlingue les pales. Cette île est un enfer, mes compagnons ne sont plus parmi nous. Leur vie a été arrachée par des pales assoiffées de sang. Ah, c'est une autre ambiance que Pokémon quand même. Il a littéralement un shotgun en fait. Je peux te filer quelques ressources de base, mais tu vas devoir te renforcer si tu comptes survivre ici. Mais je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je me suis juste réveillé sur la plage, il n'y a personne pour me parler de ça. J'en peux plus. Je creusais une tombe pour chaque personne au début, mais j'ai arrêté après la centième. Oh putain, c'est pas du tout la même ambiance que Pokémon. Oh merde. L'ignorance est synonyme de mort par ici. Il y aurait un espoir si on arrivait à dompter les pals, mais personne dans mon groupe n'a réussi cet exploit. C'est un dispositif antique. Elle parle de ma tablette là, elle parle de mon iPad. Tu devrais pouvoir fabriquer des sphères de pals avec ça, lesquelles te permettront de capturer des pals. Waouh! Eh ben ça alors. L'interface est trop bizarre, c'est soigné et cheap de fou. Mec, j'ai l'impression que le jeu, il est, c'est pas de l'early access là, on est même pas sur une bêta là. Moi je le vois aux animations. Regarde l'animation de saut. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement, ouvrez le menu options avec échappe et consulte les guides de survie. D'accord. Donc les commandes, on les a, les niveaux, les technologies en. Par où commencer? Ah. La collecte de bois et de pierres via les branches et cailloux au sol est un bon point de départ. Tu peux en récolter même sans armes, en frappant à main nue les arbres et les autres rochers. Fabrique ensuite un établi pour confectionner une hache et une pioche. D'accord. On va commencer par là, effectivement.
Non, ceux-là, je peux pas les taper. Ceux-là, je peux pas les taper. Ça, je peux le ramasser. J'ai un caillou. J'ai un caillou. Je peux pas taper le mur. Il y a pas de son quand elle saute. Ah, le jeu, il est cheap de fou. Pourquoi ils l'ont sorti maintenant? Il a l'air mignon, lui. Je peux pas le ramasser. Ah, je peux le cogner. Bon. Tiens. 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 Oh putain, il m'attaque. Oh shit. Il a appelé son pote. Oh merde. Est-ce que je vais me faire bully par un par un mouton? Eh ouais hein. Ouah. Leur tête elle est trop mignonne par contre. Dommage mon ami, je vais devoir te goumer. Tiens, coup critique. Hop. Merde, j'ai tapé mon établi. Lui il est mort. Tiens. Tiens. Bim. Level up. Alors, allez pousser vos cadavres de pals par là. Allez, ça dégage. Hop. Hop. Ce jeu me plaît. C'est bon. C'est... Oh, il y en a un autre. Un chikipi. Je vais pas goumer tous les Pokémon, je veux dire tous les pals qui traînent. Je vais ramasser du bois et tout. Ça, c'est quoi? C'est un... C'est un cristal. Choix de la recette, batte en bois ou torche à portée. Bah, je veux ni l'un ni l'autre, en fait. Moi, je veux... Ah, mais attends, la batte, c'est juste 5. Et j'aurai encore assez de bois pour le reste. Je vais quand même me faire ça. Ah, il faut garder la touche maintenue pour crafter. Ok. Obtenir. Let's go. Ah, il y a un mode visé et tout. Bon. Avançons dans notre quête. A priori, il n'y a pas de dégâts de chute. C'est une bonne nouvelle. On ramasse nos trucs. Lui, il nous a pas vu goumer les autres, donc il sait pas que... Il sait pas qu'on n'est pas gentil. Ouvre l'écran de technologie dans le menu et débloque la sphère de pales. Ah! Oh! Donc là, on a déjà tout débloqué là. Débloquer la technologie sphère de pales. Ok, donc les niveaux nous donnent accès à des technologies à débloquer qu'on débloque avec des points de technologie. Des points technologiques. J'en ai 12 en plus, donc je peux carrément tout acheter, mais je vais suivre le tutoriel pas à pas. Fabrique sphère de pales. Ok. Ok, donc nos premiers pales, ça va être les moutons et l'espèce de poulet qu'on a vu juste avant. J'espère qu'on peut les renommer. Comme ça, je leur donnerai vos noms, les amis. Alors, sphère de pales, il nous faut un éclat de palladium. Comment je chope ça? Comment je chope des éclats de palladium? Oh, il y en a un, il est tout rouge là-bas, il me fait un peu plus peur déjà. Ça, on doit pouvoir l'allumer d'ailleurs. Ah ben le voilà, le palladium. Ok, trouvé. Oh. Gros minerai aussi là-bas. Bon déjà. J'imagine qu'il faut faire ça. Ah ouais, c'est ça. C'est en le tapant, on récupère du palladium. Ouais, moi je veux les renommer, Yara. Mais t'imagines, Tmar, attaque! Igara,
Lance l'attaque lance-flamme. Putain, ça serait trop marrant. C'est fort possible que les assets soient réutilisés de Fortnite ou autre bibliothèque gratos de Unreal Engine. Ouais, carrément. Carrément. Mais attends, mais c'est invincible le Palladium ou... Bon, j'en ai assez. Je vais remonter à mon établi de construction. Ah, regardez, il se barre, lui. Kativa. Lui, je vais l'attraper. Lui, je vais l'attraper. Shippiki, je vais l'attraper. Je vais attraper les trois starters. Je vais tous les attraper. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon ordinateur, il souffle. Ah, j'avoue. Merci. Je vais checker ça. Bon, le jeu est a priori pas ultra méga optimisé, dans le sens où ma 380, effectivement, elle envoie des cyclones là actuellement. Ce qui pourrait expliquer le crash précédent. que je n'entends pas, puisque là j'ai mes petits AirPods en mode perdu. En vrai, si le fond du gameplay est bon, les animations pourraient être remplacées, certains visuels retravaillés. Oui, oui, complètement. Complètement, là c'est vraiment un proof of gameplay en vrai. C'est pas autre chose hein, pour moi. Alors, pioche en pierre. Lancer la production. Travailler. Hop là, on a une pioche en pierre, très bien. Maintenant on va se crafter... Ah merde, il faut plus de pierre pour... Bah j'ai bien fait de commencer par là. Pour changer d'arme, c'est avec la molette, très bien. Très bien, très bien. Et est-ce que je peux faire ma... Non, parce qu'il faut de la pierre aussi, en plus des éclats de palladium. Je suis une vieille personne. Pas étonnant non plus avec UE, les gens ont souvent les yeux plus gros que le ventre, sont en mode « Ouais, je vais faire trop beau sans bien opti. » Ouais, non, mais c'est ça, là, c'est pas du tout opti, là. Ok, ça, on peut pas le choper. Mais c'est fou que ça mette en PLS mon build, genre pour le contexte. Attendez, je vais ouvrir IQ pour voir. Je vais ouvrir les stats. Et comme ça, on va bien voir. Bah, il est où mon IQ ? Il est plus là ? Attendez. Attendez. Qu'est-il arrivé à mon IQ ? Ça, c'est bizarre, ça. Ça, pour le coup, c'est extrêmement bizarre. Bah ouais, what the fuck ? Attendez, je regarde un truc. Quoi ce merdier ? Où est passé mon logiciel ? C'est quand même fou. Je vais aller rechercher IQ. Hein. Télécharger. Je vais le remettre. Hein. Tant pis. Alors, Windows. Impeccable. Le 5 janvier 2024, et bien voilà, c'est ça qu'on... Hop là, j'installe ça en live. Que pourrait-il mal se passer ? Français, nanana... Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi IQ a disparu de mon PC. Très chelou. Ce qui est très très chelou. Alors. Ah, le dossier Corsair n'est pas vide. Bah oui, je le sais bien, c'est bien mon souci. Corsair. IQ.
C'est trop chelou. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Fait une réinstall dernièrement ? Non, même pas. Même pas. C'est vraiment archi bizarre. Je suis vraiment désolé, on a des soucis techniques aujourd'hui là. Trop bizarre. Veuillez sélectionner un dossier vide. Ok. Hein. Suivant. C'est très très chelou. On parle, enfin, genre vraiment, il n'y a plus aucune trace de Corsair IQ sur mon PC, quoi. C'est vraiment trop bizarre. Alors que c'est vraiment ce dont je me sers pour gérer les ventilateurs et tout ça, tu vois. Archi chelou. Notamment la pompe de la IO. Eh oui. J'ai un petit souci technique. Je sais pas, mes ventilos ils tournent beaucoup trop fort. Quoi ? Non, mais c'est pas un souci de poussière, c'est juste le contrôleur de ventilo qui s'est désinstallé, je sais pas pourquoi. Je rigole pas la team, je suis littéralement en train de voir ce qui est en train de merder concrètement. Alors, nananana. La carte graphique, ça va. Ouais, la carte graphique, ça va. Ah non, 92 degrés, non, ça va pas. Non, ça va pas. Le reste, ça va. Hein. Le reste, franchement, ça va. Hein. Regarde, le CPU. Le CPU, il a, et le CPU hein, c'est un i9-13900K. Hein, overclocké et tout. 66 degrés, tranquille. 60, 66. Tranquille. Mais j'ai effectivement la carte graphique qui est un petit peu en galère là. Donc ouais, c'est UE qui est en train de faire merdouiller ma machine en vrai. C'est UE. Ça résout pas le problème de comment Corsair s'est désinstallé, mais... Mais bon. Oups. Voilà, on va faire ça. Il est conseillé de jouer en mode fenêtré à basse résolution si l'ordinateur ne dispose pas. Ils me font chier. Ils me font chier. Voilà ce que j'en pense. Je vais faire une déco reco de toute façon sur le jeu. On récupère des cailloux et du palladium. Je mets des gros dégâts sur le minerai. Attendez, parce que j'ai de l'endurance évidemment. Ok, notre inventaire c'est pas par taille, c'est par poids. Regardez le poids de mon inventaire qui augmente là. Qui augmente même de manière dramatique. J'en récolte un max. Ok. Porter un poids trop élevé t'empêchera de bouger. Dépense des points de statut pour augmenter ton point max. Ton poids max, point de statut disponible. Ah ah. Ah ah ah. C'est pas dans technologie. Inventaire. Ah, renforcement de statut. Mais on n'a pas d'explication sur les trucs. Si, poids actuel, vitesse de travail. Okay. Et le poids, si je l'augmente, c'est 50 par point. Je vais commencer par mettre des points dans l'inventaire parce que c'est le truc dont on va avoir besoin en priorité, je pense. Ah merde, il y a un cycle jour-nuit. Il y a un cycle jour-nuit. Bah ouais, Nargo, moi j'aime bien le minerai. Minerai égale oseille, tu vois. Le ciel est beau.
Ça pourrait valoir le coup que je me crafte une torche, effectivement. J'ai pas ramassé de pierre, là, vraiment. J'ai pas ramassé de pierre. Trop vieux pour ces conneries. Mais qu'est-ce que je tape, du coup, pour ramasser des pierres, ça ? Non. Qu'est-ce que je tape ? Oh, il y a un trésor là. Ouah, je saute. Cool. J'aime bien quand il y a des petits trésors à ramasser. Pierre, c'est bon. Voilà, deux d'un coup en plus. Plus du palladium, impeccable. Impeccable. C'est pas du tout, elles sont... Ah, où sont les ambitions du jeu en termes de monde et de PNJ, genre les villes grandes, etc. C'est plus du survival slash base building que autre chose, à vrai dire. J'ai ramassé un journal et j'ai faim. Donc il y a un système de... Il y a un système de bouffe aussi, donc faut se faire à manger. Oh putain, on va faire griller des pals, les potes, là. J'ai vu les pals moutons, là. Vous inquiétez pas que ça va terminer en kebab extrêmement vite, cette affaire. Faim et froid, en plus. Comment ça, froid? Je vais mourir comme ça. Dès le début du jeu. Je peux pas me rapprocher de ça. Ça réchauffe, ça. Je vais voir. La réponse est non. Bon, fabriquons une sphère de pales pour commencer. On va en fabriquer le max, c'est-à-dire une. Ok, on a une sphère de... Attaque des pales pour les affaires. Ça, on sait. Ouvre l'écran technologie, hein, débloque la boîte à pales. Boîte à pales, une installation pour déposer les pales capturées. Les pales à l'intérieur des boîtes récupèrent progressivement des PV. L'écran est déterminé par un rayon autour de cette installation. Ah ah ! Donc ça serait bien qu'on crafte effectivement la boîte à pales, mais on n'a pas de cailloux. Encore une fois, on manque de cailloux. Oh. Oh. Ça en fait du... Ça en fait des coins à découvrir, par contre, ça c'est très bien. Je veux des cailloux. Alors attends. Deux, c'est pour la sphère pâle. Donc ce que je vais faire déjà, c'est cogner celui-là et lui lancer ma sphère. Là, il est affaibli, là. Il est affaibli. Comment je fais pour lui lancer ma sphère ? Lancer une sphère. Ah, ok. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouah, pâle boule, go ! Ça a pas marché ? Ça a pas marché ? Elle est où, ma pâle boule ? Elle a disparu ! Non ! Non, tous ces efforts pour rien ! Ouf, une pierre. Je pourrais en refaire une. Non. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis vieux, c'est officiel, ça y est. Ça y est, c'est fini pour moi. C'est fini, je suis en train de crever en plus. Je suis espèce de monstre. Mais non, mais c'est lui qui a commencé, Sylvain. Il était mignon et tout, mais... Je voulais le capturer. J'ai lancé ma pâle ball. C'était un échec. Je vois rien. Il fait nuit. J'ai faim. J'ai froid. Je suis perdu. Tel un ancien. Je sais pas où aller. J'ai peur. Survivante, aide-moi. Tu as un tempérament de dresseur. Tu devrais fabriquer des sphères puis capturer des pals. Mais je sais bien. Tu ferais mieux de rester loin de cette tour. Le temps de te renforcer, toute la zone est sous le joug du syndicat de Rain. Ils te tueront si tu en approches, comme mes compagnons. C'est très dark. C'est quand même extrêmement dark comme univers. Mais non, mais ils dormaient justement. Moi, je voulais faire ça sans violence. Je peux pas... Construis une boîte... Aucune sphère de pâle. Ben, je sais. Construis une boîte à pâle.
Accède à la boîte à pales pour appeler les pales de ton camp. Vas-y. Tant pis. Je vais aller m'aventurer. Il faut des cailloux, mais les cailloux, il y en a nulle part. Ça, c'est un caillou. Hop là. J'ai un caillou, il me faut d'autres cailloux. Je suis en train de crever. Regardez ma vie en bas à gauche. Oh, je vais die. Avant de crever, il me faut du minerai. Avant de crever, il me faut du minerai. Ramasse le maximum de minerai. Let's go, j'ai récupéré du minerai avant. Ah. Bon. Le poids de l'âge se fait sentir, on va pas se mentir. Où est-ce que j'étais? Je sais pas moi. P, position du joueur. J'étais ici. Plateau originel, ouais c'est ça. Ressuscité ici. Mais je ressuscite dans les mêmes conditions. Oh, il y en a un autre là-bas. Mais il faut que je fasse une pale ball avant. Bon, pour ceux qui veulent du challenge, visiblement c'est possible. Sphère pale, production. Je vais le paler, vous inquiétez pas. Il dort pas, c'est une feinte. Salaud de pale, je les connais maintenant. Il est où? Regarde le faire genre là. Regarde ce salaud là. Ah, bim! Bim! Voilà! Paf! Tu te fous de moi? Elle est où ma pale ball? Bordel! Je comprends rien. Je comprends rien. Je veux juste capturer un pal. Guide de survie. Les capturer à l'aide des sphères, les fait devenir tes compagnons. Il est ensuite possible de viser sur eux pour les faire venir. Mais comment on les capture? Capture. Si une sphère de pâle est lancée avec la touche A, touche un pâle, celui-ci pourra être capturé. Un pâle au PV réduit souffrant d'une altération d'état ou pris dans un piège sera plus facile à capturer. De plus, lancer une sphère dans le dos d'un pâle à son insu augmentera également les chances de capture. Fabriquer des meilleures sphères. Ah ouais, j'ai... Vas-y. C'est bon, au moins il fait jour. J'ai pas faim, j'ai pas froid. On retourne chercher des cailloux. Là. Un caillou. Deux cailloux. Oh! C'est la pale ball que j'avais lancée tout à l'heure, ça. On l'a retrouvée. Impeccable. Ce qui confirme donc que les pale balls, si tu les loupes, tu peux quand même les re-récupérer. Impeccable. Bon. Lui, il est mort. Hein. C'est le cadavre d'un des pales de tout à l'heure. J'ai fait le ménage, on va dire. Merde, merde. Merde. Ah. Ça va, vous passez un bon moment? Oh, lui, je le veux, par contre. Lui, il est stylé, là. Il a l'air énervé, mais c'est que... Il se donne un style, tu vois. Là, c'est à son insu, là. Bonus de revers 43%. Ouais, c'est passé. Non! Ouah, shit! Ouais, il est parti pour me goumer là, ça y est. Je m'enfuis. Quoique, j'ai un gourdin, je pourrais le. Ouah! Ça t'apprendra à me chercher là. Petite merde, va. Allez. Allez. Hop. Ça dégage. Bon, faut que je refasse une pale ball. Je veux aucun commentaire. Aucun, rien.
Zéro. Rien du tout. Je sais, je suis lent. C'est normal. Pas de commentaires sur ce qui vient de se produire, sur la découverte capitale que nous venons de faire, d'accord ? On peut... Il y a effectivement des tas de pierres qu'on peut miner directement avec notre pioche. On n'a pas besoin de chercher des pierres au sol comme un demeuré. My bad là-dessus, la team. Nous allons pouvoir produire une boîte à pales. Trop proche d'un boss ou d'une installation spéciale. Et bah oui. Bah oui. On va faire une... Non, ça on la fera après. En fait, j'ai pas besoin d'aller là. Si, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire une pale ball. Hop. Et j'ai besoin de faire mon camp. Mon camp, je vais le faire là-dedans, là. Ça me paraît stylé, ici. Alors, B, boîte à pales. Voilà. Là. Oh. Oh. Easy. Donc ça, c'est mon camp. Ça, c'est mon camp. Je peux faire des voyages rapides à partir d'ici. Je peux améliorer le camp aussi. Construire un coffre en bois et déployer des pales actives sur le camp. Ok. Pour ça, il va m'en falloir des pales. Je rêve où il fait son yoga. Il fait du yoga. J'ai le droit de les taper s'ils font du yoga. Ah, la ligne bleue, ça doit être la limite de mon camp. Reviens ici. Attends. Non, c'est bon. Il est niveau 2 aussi. Reviens ici, reviens ici. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Je vais pas te faire de mal. Je vais pas te faire de mal, putain. Reviens ici. Oh, il m'a emmené un coffre. Merci, mon pal. Nice. Une méga sphère. Eh bah tant pis, je vais choper l'autre. L'autre aussi s'enfuit. Oh, cette aventure va être plus compliquée que prévu. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Mais je suis obligé de les attraper eux parce que j'ai tué tous les autres. C'est pas de ma faute. J'ai pas fait exprès. Il y en a pas un dans cette petite clairière là-bas ? Là, il y en a en bas. C'est bon à savoir. Oh, c'est joli par contre. Ça, c'est très joli ça. On a quand même le droit à une petite expérience contemplative qui n'est pas dégueulasse. Donc. En plus, il est niveau 1 lui. Il est nul. Il va choper un... Lui aussi, il est niveau 1. Putain, ils étaient niveau 3 en haut. À m'avoir vu. Si tu sais ça, c'est bien viser la tête là. Paf. Yeah. 100%. Tiens. Allez, hop là. C'est bon. Un coup sec derrière la nuque, voilà ce qu'il fallait. Voilà comment on dresse les pales, les potes. Alors maintenant, j'ai plus de pal ball, mais j'ai un pal et donc je peux l'appeler avec moi. Ouais. Il est avec moi maintenant? Ouais, c'est bon. C'est bon, mon dispositif lui a lavé le cerveau. Impeccable.
C'est quoi cette compétence là au milieu là? Ouvre la boîte à pales, accède à la boîte à pales pour appeler les pales de ton choix sur le camp. Ouvre l'inventaire avec tab et utilise pour consommer de la nourriture lorsque ton niveau augmente. Lorsque ton niveau augmente. Nanana, ok. Il est parti faire quoi là? Eh mon pal, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est en train de miner? Mais non. Gauthier, c'est bon. C'est bon. C'est bon, je suis convaincu. C'est parti. Ah là, là je suis saucé. Gestionnaire de boîte à pales. Effectivement, je n'ai qu'un seul pal. Donc ça, je peux le mettre soit dans le... Ah, je peux le mettre directement sur le camp. Hop là. Et donc, en fait, une fois qu'il est là, les pales sans lit seront de mauvaise humeur. Merde, il faut que je lui donne un lit et tout. Il faut que je mange aussi. On va en manger. Ça, on peut manger, ça? Ouais, on peut manger ça. Ok. C'est bon, maf. Le problème de faim est résolu, déjà. Renforcer le statut du joueur, d'accord. On va mettre du poids encore. Le poids, c'est important. Le poids, c'est important parce que c'est ce qu'on peut ramasser. Et donc, le pognon qu'on peut se faire. Capturer 5 lambales pour obtenir des points d'expérience bonus d'encyclopédie. Capture 30 pales pour les faire faire monter de niveau ton joueur. Fais monter le camp jusqu'au niveau 7 pour ensuite l'agrandir. D'accord, alors pas de problème, mais d'abord, si j'ai bien compris, il faut que je fabrique un lit et un camp. Bon, attends. Je vais démanteler mon atelier que j'ai mis en haut. Je peux les renommer les pales. Ah, j'ai pas regardé, tiens. J'espère bien. Je peux pas le démanteler, ça. Si... On va récupérer quelques... quelques composants, non? Non, peut-être ça ira mieux avec ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on fait plus de dégâts. Les pales. Est-ce que je peux les renommer directement là? Ah, il y a un paldex là. Voilà. Son allure imposante cache en réalité un être peureux et faible. Se faire lécher par Kativa constitue donc en quelque sorte l'humiliation suprême. Putain, c'est bon. Il me faut pas grand chose. J'étais là depuis une heure en mode bah, jeu de merde, je comprends rien, nanana. Il a fallu deux petits trucs pour me faire changer d'avis instantanément. Hop là. Voilà, on a récupéré 2-3 ressources visiblement. Ah, regardez, il bosse. C'est trop bien. Allez, B, construire. Établi de fortune. Mon établi, je vais le mettre là. Voilà, contre le mur, là. Ah. Je peux pas le mettre exactement comme je veux. Ah, c'est frustrant. C'est comme ça. Ouais. Donc... On a vu tout à l'heure qu'on pouvait débloquer des technologies. Et effectivement, on peut faire des structures là. Feu de camp, on va en avoir besoin, on a vu. Coffre en bois, on va en avoir besoin pour améliorer le camp. Bande de réparation permet de réparer les armes et outils usés. Ok, et structure en bois. L'assortiment pour construire un camp en bois permet de fabriquer tout le nécessaire à la construction d'une maison de bois. Base, mur, toit, escalier, etc. Oh oh oh! Bah ouais, carrément. Le lit, va m'en falloir invisiblement. Restaure les PV des humains. Et le lit pour pales en paille permet de restaurer les... Ok. Donc il va falloir qu'on fasse des trucs, effectivement. La structure en bois, on va l'acheter. Bande réparation aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vêtements. Ah, les vêtements, ça pourrait être cool. Je les débloque. Le reste aux F. Ah si, l'arc, ça pourrait être utile aussi, ouais. Un piège suspendu, les pales qui passent dessus peuvent être capturées.
Ah, c'est trop bien. Il m'en fout. Hop là. Une cloche pour changer l'état d'alerte des palis. Il est possible de passer à l'option attaque des intrus. Putain, on peut se faire raid notre camp. J'ai débloqué trop de trucs là. J'ai de la laine puisque j'ai goumé des pales avec. Oh! Oh, c'est plus à moi de le faire! C'est plus à moi de le faire! Il bosse pour moi! Je suis littéralement Jeff Bezos! C'est trop bien! Je vais voir dans la boîte à pales si, par l'intermédiaire de la boîte à pales, je peux pas renommer les pales. Je fais un clic droit dessus. Merde! C'est pas ce que je voulais faire. Voir le détail. Modifier. Tu préfères Tmar ou Tmar QR? Je sais que t'en crèves d'envie depuis tout à l'heure. Tmar. Je le sais. Je te connais. Je l'appelle juste Tmar ou Tmar QR? Magnifique stream, je m'attendais à une belle découverte. Au final, nous avons Velvet qui poursuit des chats et n'arrive pas à les choper, comme dans la vraie vie. Juste marre. Tipi tipi tchapa tchapa. Tmar est officiellement mon premier pal. C'est comme le patronat sans les droits de l'homme et du travail. Le quoi? Jamais entendu parler. Ouais, il bosse bien en plus, regarde tout ce qu'il a. Ouais, il a ramassé tellement de pierres, je suis si lent. Fuck! Construction! Matériaux insuffisants. Merde. Merde. Comment je fais pour dropper des trucs? Je suis lent. Technologie, j'ai pas un truc pour aider là-dedans. Un truc que je pourrais. Ah, flèche. Je peux construire. Je peux faire ça. Je vais faire ça. Je vais construire des flèches. Je peux pas les faire là? Non, je peux pas. Piège, merde, je peux pas. Une cloche pour changer. Hein. Vas-y, je vais faire ça. Je vais faire ça ici. Hop là. Et comme ça, je suis libre. Oh, un bâton. Obtenir. Choix de la recette. Vêtements en tissu. Voilà, impeccable. Je fabrique mon vêtement en tissu. J'en ai marre de me balader à poil. Faire des coffres aussi. Ouais, je vais faire un coffre. Ça me plaît. Ça me plaît. Je pensais que ça serait un peu un gimmick ce jeu, mais en fait, pour l'instant, ça me plaît. Obtenir. Oh là là. Oh là là. Oh, je suis saucé, c'est bon. Un pec. Des flèches, on en a pas besoin. Des balls, on en a besoin. Visiblement. Max, lancer la production. Hop, je fais les balls. Il m'aide à faire les balls. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? B. Ah, coffre en bois. Il me faut du bois. Certes. Il va me falloir du bois, du textile, du bois. Ok. Donc, mission première, récupérer du bois. Pour récupérer du bois, il nous faut une hache. Et pour faire une hache, il nous faut du bois. Hop. Heureusement, il y en a qui traînent un peu partout. Hop. J'ai pu voir sur la vote de Zera, c'est vraiment rigolo, t'as vraiment moyen d'avoir une sensation de camp. Bah ouais, carrément, bah rien que là, je suis assez content, tu vois, il y a mon pal qui bosse et tout pendant que je suis pas là. Je trouve ça plutôt stylé, à vrai dire. Je crois que si j'augmente la taille, le niveau de mon camp, ça augmente son rayon. Parce que je vais finir par farmer toute l'île, là, en fait. Il y a des ressources partout, là, tu vois. Nickel. Hop, on produit ça. Grâce à la hache, on va pouvoir couper du bois. Ah ouais, ça monte vite.
Oh, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très, très cool. Parce que du coup, je vais pouvoir crafter plein de trucs très vite maintenant. Alors, production. Tablier de fortune, bande réparation, d'accord. Stockage, coffre en bois. Le coffre en bois, je vais le mettre dans un coin. Je construis et après je lui ferai un lit. Ok. Paramètres de sécurité. Verrouillage activé, c'est quoi ça? Oh! On peut mettre des petits codes et tout! Ah ouais! C'est trop bien ça! Alors là, je suis pas dans une partie multijoueur donc j'ai pas d'intérêt à le faire, mais c'est cool. Le métal, pour l'instant, on en a pas besoin, on a vu. Les pièces d'or, pareil, j'en ai pas besoin. Les bêches, je sais pas encore à quoi ça me sert. La méga sphère, c'est pour les méga pales. Un œuf. Donne naissance à un chip piki. Oh, il va éclore en fait. Regarde, 33, 32, 31. Ah ouais, il y a des trucs qui se perdent. Il y a des trucs qui ont une durée de vie en fait. Je vais en. Ouah putain, je savais pas moi ça. Attends, celui-là, je vais l'utiliser déjà. Comme ça. Ça sera pas perdu. Dans 15 secondes, je vais avoir un chipiki alors. Est-ce que tu vas avoir droit à un lit? Je ne sais pas, Atmar, je ne sais pas. On verra. 3, 2, 1. Il est où mon chipiki? Il a disparu. Moi, je voulais un chipiki, j'ai... Chier. Regarde. Il ramène les ressources dans la boîte. Mais non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Il bosse pour moi. Ah, c'est trop bien. Nourriture, feu de camp, boîte à nourriture, infrastructure. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Donc il va falloir que je coupe du bois encore. Mais ça va, ça monte vite en fait. Quand on est sur les dépôts de ressources, en vrai, ça monte vite. Les pals qui travaillent perdent leur point MEN et donc leur motivation. Tu peux notamment construire une source chaude pour les remotiver. Ah ouais. Un lit pour pals. Allez, je suis sympa, je te fais un lit à l'abri, ici, là. Hop, tu as une petite panière. C'est Usac. Comme tu peux l'entendre, le sommier est en métal, malgré son apparence. Voilà. La boîte à pales peut être améliorée. Améliorer le camp. Nombre de pales sur le camp, tu peux en mettre 2. Et nombre de camps pouvant être construits, tu peux en mettre 1. Ok. Construire un lit de fortune. Ah, je l'ai pas encore fait ça, parce que j'ai pas assez de bois. Et je vais aller en chercher du bois. Donc, isoquer. Smart, niveau 2. Très bien. Le maître est généreux, t'as vu? Hop. Il va nous falloir d'autres pales. Il va me falloir un anargo, évidemment. Et il va me falloir un Zac. Et un Mick. Ok. Ah, on va se récupérer de la pierre pendant qu'on est là. Ah, dans les dépôts de pierre, il y a aussi de temps en temps des petits éclats de palladium aussi. Intéressant. Et un peu de métal, ça c'est cool. Ça c'est cool. Adobe libre. Non mais il bosse hein, l'autre. Hein.
Ah vache. Alors, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est dans le menu construction. Lit de fortune. Ah, on n'a pas de laine. Il nous faut de la laine, d'accord. En attendant, je vais mettre un feu de camp. Je vais mettre un feu de camp. Voilà. On va mettre un feu de camp. Ah, il va me filer un coup de main. Ah ouais, on construit plus vite à deux. Mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool, arrête, c'est trop cool. Je peux faire griller mes baies. Je lance la production de baies grillées. C'est pas des baies qu'il y a dans ma casserole, là. Non, non, hein. Smart est parti en pause. C'est quoi ce travail, là? Eh? Portée? Oh! Eh? Au boulot, Tmar, là? Ça fait quoi, là? Je le porte. Comment je fais pour le poser? Affectation fixe à feu de camp échoué. Ah, ok, c'est pour l'affecter à un truc. Ouvrir le menu. 4. La touche 4, elle fait rien. Attends, je teste un truc. Waouh. Il va falloir passer en QWERTY, en fait. Waouh, ça va être chiant, ça. Le 4, il marche pas. Oh, ça va être très chiant. Ça, on verra plus tard. D'accord, donc ça travaille quand même, même si on n'est pas à côté. Regardez, si je lâche, elle continue à griller. C'est bon à savoir. Fais attention, il s'est syndiqué, c'est lors de sa pause. Bah ouais, carrément. Je vais aller chasser des palmes en attendant. On a besoin de laine. J'ai vu où est-ce qu'ils traînaient les oiseaux là-bas. Et en plus, ils dorment la nuit. Ils dorment la nuit, ce qui veut dire qu'on peut en profiter pour les oh oh. Ah, y a pas de dégâts de chute. Confirme. C'est quoi ça? Récolte de statue de Leafmunk à offrir à une statue de puissance pour accroître les chances de capturer des pals. Je me sens malveillant. Je suis d'humeur malveillante. Si je l'attaque là, j'ai peur qu'ils me tombent tous sur la couenne. Donc je fais juste genre je passe. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Paf. Paf. Pas le boule, go. Let's go! C'est bon. Tombe à la renverse naturellement lorsqu'il tente de gravir une pente. Les vertiges l'empêchent également de bouger. Trop bien. Le visiteur est parti. Ah putain, j'avais un visiteur, j'ai même pas vu. Il y a un ami qui a du pop dans ma game, j'ai même pas vu. Et là, il me faut un Shippiki aussi. Paf! Merde, je l'ai one shot. Ouais, après, il dort. Quand il dort, mais que je le lance de dos. Ah, j'ai une chance sur deux, hein, je le tente. Oh oh. Oh oh oh. Let's go. Impeccable. J'ai besoin de laine, c'est nothing personal, kid. Ok, visiblement, faut en capturer plusieurs en plus. Capturer 5 lamballes. Lui, il est mort. Je vais rentrer à la maison.
Je vais rentrer à la maison parce que je suis perdu là. Après, je vais avoir froid. Comment on fait pour rentrer ? Merde. Merde. Il va me falloir une lampe torche. Le visiteur, je pense, c'est un joueur, ouais. Torche à portée. Sinon, je vais être perdu, là. J'ai le droit de spoil. Pas pour l'instant. Ah ah! Easy. On va pouvoir rentrer à la maison. En toute sécurité. Je vois les limites de notre camp là-bas. Merde. Impec, comment on fait pour monter un peu plus haut là? Je crois pas qu'il y a d'escalade. Oh! Je suis piqué là, tout seul. Ok, bon, au moins, on pouvait remonter. Oula. Est-ce qu'il a déjà perdu? Je peux pas avoir perdu. Regardez, il dort. Mais il y a la place d'en mettre au moins 6 des pales là-dedans. Là, je vais pas en construire un pour chaque pale. Oh! C'est quoi ça? Viens là. J'ai une pale ball au moins sur moi là. J'ai une pale ball. Il est trop stylé. Oh. Compris. Il lance des boules. Comment je fais pour esquiver? Ok, c'est contrôle. Vas-y, amène-toi. Et Tmari pionce là. Tmar à l'aide. J'ai mis une cloche tout à l'heure. Attaque des intrus, Tmar. Ouah. Tiens, coup de batte. Il est trop stylé, lui, je le veux dans mon équipe. Bim! Allez, encore un petit peu. Ouah. Ouah, il m'a fait mal là. C'est pas assez. Hop là. Petite esquive. Ouah, shit, je suis mort. Je vais te choper, mon gars. Quoi? Vite, ma pale ball! Elle est partie par là, je crois. Non, elle y est pas. Fuck. Oh, y en a un autre là-bas. Oh shit, mais pourquoi ils sont niveau 6? Moi, mes pales, ils sont niveau 1. Choix de la recette. Vite, lance la production. Vite. Hop là, je l'ai. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est bon, il m'attaque pas. Il est où l'autre? Il est là. Ah ouais. Vas-y. Oh. Alors peut-être. Allez. Let's go. Mais qu'est-ce qu'il branle là par contre? Pourquoi il y a des... Pourquoi... Et l'autre il repasse... Mais il y a un oukrat. Il part. Je mange, hein. Il me faut de la vie là. Bégrier. Voilà ça. Ça. C'est bon ça. Ça me rend pas de vie, j'ai l'impression. Ouh. Ouais, c'est chaud hein. C'est quoi cette affaire?
finalement, Zach, je veux bien des petits spoils, du coup. Pourquoi j'ai des pales niveau je sais pas combien qui débarquent chez moi, là? C'est quoi ça? Quand tu vises, il te donne 1% de chance, mais tu vas pas forcément le toucher genre trop loin, etc. Ah, ok. Bon. Alors. Déjà, on va mettre l'emballe ici. Hop. Chipiki là. Daydream là. Là, on va devoir... Ouah, c'est chaud. Hein. Il va me falloir un banc de réparation. À un moment ou à un autre. Je vais le mettre là. Hé. Ouais. Réparer un objet. Ah oui, je vais réparer ça déjà. Hop. Réparer ça aussi. Voilà. Impec. Ensuite, coffre en bois, je vais en faire un autre. Parce que celui-là, à mon avis, il va se remplir vitesse grand V. Avec leur petit marteau, là. Ok, super. Ensuite, on va construire un feu de camp, c'est bon. La boîte à nourriture, boîte qui contient de la nourriture pour pâles. Les pâles s'en servent pour se nourrir quand ils ont faim. D'accord, donc il faut aussi que je les... il faut aussi que je les sustente. C'est quoi ça? Un dinosome. Par contre, il est niveau 16 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le monde a level up pendant que j'étais en train de pioncer? Ou c'est comment? Je suis pas rassuré. Ça a l'air chaud. Ok, on devrait avoir assez de ressources. Côté bois. Merde. Ah, je peux pas sauter parce que je suis... Ok. Ok, donc c'est bien un lit par pâle en plus, donc il faut que je fasse des lits. Et B. Donc déjà, la boîte à nourriture. Que je vais mettre là. Yes. Ouvrir. Et là, du coup, je peux leur mettre de la bouffe, quoi. Très bien. Mettre ça, je vais leur mettre ça. Glande à venin. Bof. Marie est en train de bouffer. Je vais mettre des œufs, hein. Je vais mettre de la viande de chipiki et des œufs, hein. Faut qu'ils se nourrissent, hein. Il faut que je construise un lit pour moi. Pour récupérer de la vie. On l'a vu tout à l'heure. Mon lit sera, bien entendu, ici. La construction doit être lancée à l'intérieur d'une base possédant un toit. Ok. Très bien. Ah. On a une base là. On va se faire un 4 mètres carrés. Il faut appuyer sur B à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va se faire un mur. Là. Un mur. Une porte en bois. Je vais la mettre là. Hop. Un mur avec fenêtre. Pour regarder que mes employés travaillent bien. Un mur. Un mur.
un mur et un mur. Ensuite, un toit et un toit et un escalier en... Oh. Ok. On agrandira plus tard. Pour l'instant, la mission première, c'est de se faire une maison. Voilà, on a une maison. C'est ce que c'est, mais ça nous suffit. Il nous faut désormais un lit que nous ne pouvons plus faire puisque nous avons cramé tout notre bois pour faire notre maison. Ah, quand t'es streamer, tu peux pas faire tes codes. Tu peux pas mettre paramètres de sécurité sur ta maison et sur tes coffres. T'es obligé de le faire offline. Bah ouais. Allez, on coupe. Je vais appeler mon pal. Il a trop une bonne tête, lui. Je suis content de l'avoir chopé. Il a l'air rare. Ça se trouve, il est pas du tout rare. Allez mes pals. Laissez-vous vous faire exploiter. Oui, ça va, je sais qu'on dirait Fortnite avec un skin Pokémon, je sais. Je sais, ciao. Mettre mon lit. Là, bien rangé, bien dans le coin, là. Hop. Construire. Il est beau, what the fuck, c'est un Pokémon. Ouais, c'est un Pokémon, ouais. C'est un Pokémon, sauf qu'il y a littéralement des morts. Et que je les exploite aussi. Allez au boulot, bande de feignasses. Regardez ça. Regardez les bosser. Regardez ça, regardez Tsmar ici. Tout fier avec sa pierre. Dans le Paldex, attention, se faire lécher par Kativa constitue l'humiliation suprême. Aussi frêle que le délicieux, c'est l'un des pales les plus faibles avec l'emballe. Leur population paraît très presque illimitée. Et l'emballe tombe à la renverse. Ah oui, ça on l'avait eu. Ça, il m'en faut 5 ça. Il m'en faut 5. Salut Mac. Plutôt la cabane au fond du jardin. Ouais, non mais c'est une cabane utilitaire. Voilà. Plof. Je dors, ça régène ma vie. Voilà. J'ai des points de statut disponibles. Attendez. Renforcement de statut. Moi j'aime bien augmenter l'inventaire. C'est tout ce que je fais. J'ai eu 4 points depuis le début, j'ai tout mis dans l'inventaire. Je peux fabriquer un arc, je peux fabriquer un kit de réparation, je peux fabriquer un bouclier. Une lance. Oh. Un ensemble pour salon de bois. Eh bien, dis donc. La boîte à pales peut être améliorée. Alors, Pendant que j'y suis, comment je renomme mon Chikipi? Qui veut le Chikipi? Qui veut être le Chikipi? Il est pas trop mignon? Regarde, on dirait un nugget. J'adore. Personne veut être le Chikipi, je vais le décerner au pif. Chao la poulette. Non, ça fait un peu... Jean-Marie Bigard. Non. Chao, c'est pas une poulette. Si je chope une dragonne, ce sera pour Chao. Mais là, c'est un Chipiki. C'est une femelle, le Chipiki, là. C'est une femelle. Je veux être un pal de feu. Bah, ça va être Igara, du coup, hein. Hop. Igara, tu es un Chikipi. Oh ouais, non, fais gaffe à la faute d'orthographe, Mick. Fais gaffe à la faute d'orthographe. Quand même. Compétence passive frugale. Le degré de satiété diminue plus lentement. Ok. Mets des coups de bec pointus.
Qui veut être le Lamball? C'est le tout premier Lamball. Je peux pas mettre Anargo. Ça colle pas avec lui. Je remonte le chat, je regarde s'il y a d'autres personnes. Ça peut pas être Mick non plus, ça colle pas avec lui non plus. Je suis en train de faire du profiling de followers. Oh, ça va être Sylvquin. Il doit plus être là en plus, comme ça il m'entend pas. Ça va être Sylvquin. Je vais le faire, je vais cliquer sur entrer. Hop là. Parfait. Parfait. La poulette, elle est un peu bête, non? Non, bah c'est une poulette, quoi. C'est juste une poulette. En même temps, regarde-les. C'est la poulette, le petit mouton, Outmar. Le cul se prononce, j'ai toujours dit Sylvain. Non, mais des fois je dis Sylvain, des fois je dis Sylvquin, c'est pareil. Mais non, mais c'est pas qu'il a l'air un peu neuneux. Il faut bien que je nomme mes premiers. Faut bien que je me doute que plus ça monte en niveau, plus ils sont stylés. Tu vois, Dead Dream, là, j'ai pas envie de le rename. Je sais pas à qui le filer maintenant. Tu vois? Par contre, il est vraiment stylé. Hein. Il est vraiment très très classe. Je l'aime beaucoup. Reviens! Reviens dans ta... Comment ils appellent ça déjà? Dans ta pal ball ou peu importe. Choix de la recette. Sphère de pal. Pardon. Je peux en faire 22. Bon, on a compris qu'on allait avoir besoin de beaucoup de balls, donc autant les faire. Hein. Ça sera fait. J'en fais quelques-unes et je laisserai le reste du taf à Tmar. 9. 10. Impeccable. Allez. Dégage d'ici. Obtenir. Non, toi aussi. Dégage, allez hop. Laissez-moi obtenir mon truc. C'est bon, je les ai ramassés. J'ai eu le temps de les ramasser. Alors. Il faut que je fasse des lits pour pâles. Parce que maintenant ils sont 3. Ils sont 2 et il y en a un qui est avec moi, donc ça va. Il faut que je fabrique un lit. Tu vois, regarde. Ça pourrait être Chao, ça. Un gros dino, là, comme ça. C'est impressionnant, ça. En plus, elle me tape pas. C'est cool. Attends, je fais gaffe parce que j'ai pas envie de malencontreusement lui mettre un coup de hache. Parce qu'elle est niveau 16. On va éviter de s'en faire un adversaire. Mais bon. On est sauvé. On critique pas les starters. Jamais je me permettrais. Vas-y, sors des dreams. Hop là. Y a pas un Pokémon qui a exactement cette tête? Il y en a plusieurs qui ont exactement la même tête que ce qu'on voit là actuellement. Honnêtement, ils vont tellement se prendre un procès, ça va être incroyable. Lit pour pâle. Ici. Non, je peux pas. Chevauche un autre objet. Voilà. Prendre la place, hein. Pardon. Ils sont contents. Qu'est-ce qu'il faut qu'on construise d'autre? Le piège qui emprisonne les pales en marchant dessus. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, je vais en mettre un là. Oh! Ah ouais, c'est pas, ça les emprisonne pas ça. Ah si, en marchant là-dessus là. Ah, j'ai eu peur.
Merde. Merde, merde, merde. Je brûle. Je brûle. Fuck. De l'eau, vite. Ah, c'est bon, ça s'arrête au bout d'un moment. Voilà, c'était chaud. C'était chaud. Je peux pas l'allumer, ça? Non? Non. Tant pis. Allez, reviens. Je vais aller chercher les 5 lamp balls qui me manquent. Oui, voilà, exactement. C'est de l'inspiration. C'est un hommage. Exactement. Je vais lui faire un tout petit coup. Onk. Aouh. Non. Je voulais pas le tuer. Je voulais pas le tuer. Oui, je sais que j'ai faim. Allez.